c'est une énorme domination à regarder. 26 tirs et 2,4 XG, hein, c'est énorme et c'est pas la première fois que ça arrive. On en parlait déjà à la mi-temps en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Et regardez la différence par rapport au PSV Eindhoven. 0,25 XG, donc ils avaient un quart d'occasion et ils ont marqué un but. Luis Enrique. Est-ce qu'il manque un tueur au PSG dans la surface de réparation aujourd'hui pour avoir de grandes ambitions? Je crois qu'on est l'équipe qui s'est créé le plus d'occasions en Ligue des Champions et en championnat, ou l'une qui s'en crée le plus, sans aucun doute. Je n'ai aucun doute que l'équipe est sur la ligne que je veux, qu'elle pratique le football que je veux. Notre équipe a été meilleure. Elle a mieux défendu, elle s'est créé plus d'occasions, mais c'est le football. Coach, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? Seulement 4 points pris depuis le début. Quelle est votre analyse là sur la suite et un gros calendrier en Ligue des Champions? Bien évidemment, c'est une compétition avec un tirage compliqué pour nous. Bien évidemment que je suis préoccupé. Je pense à ce qu'on va devoir faire avec l'équipe, mais j'aime la mentalité de mes joueurs. Voilà, toujours positif. Tout va bien. Il n'a pas répondu à la première question. Il est préoccupé. Je suis préoccupé quand même. Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'il ouvre les yeux, c'est bien, c'est déjà un bon début. Il n'a pas répondu à la première question. Non. Non. Il a dit qu'il y avait eu beaucoup d'occasions. Mais il a dit que son équipe avait se créait le plus d'occasions. Ce en quoi il a raison. Oui. Mais il n'a pas répondu à la question du manque d'un. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait personne pour les mettre. Et qu'ils vont donc devoir se contenter d'un match nul, un partout, dans un instant. On va revenir, bien sûr, sur ce pénalty sifflé dans un premier temps, finalement annulé après consultation de la VAR. La soirée ne fait que commencer. Hein. On va vous remontrer également les images de Monaco. Tous nos envoyés spéciaux sont en train de travailler aux résumés qui suivent. Et je vous promets également un très, très gros match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Mais restons sur ce PSG, PSV Eindhoven, en attendant une première réaction au micro de Margot Dumont. Sidney disait Paris a fait un bon match. C'est vrai que Paris a mis de l'intensité. On leur reprochait un manque d'intensité. Ils ont mis de l'intensité, ils ont eu des occasions. Ils ont mis de l'intensité, ils ont en deuxième mi-temps essayé de faire ce qu'il fallait pour remporter ce match. C'est vrai que plus le match avançait, plus on se disait que le Paris Saint-Germain allait faire la différence. Et puis il y a toujours ce petit truc qui manque à Paris pour être justement réaliste au moment qu'il faut. Il y a eu de très bonnes phases de jeu, il y a eu des choses très intéressantes. Donc ça, c'est très positif. Mais à l'arrivée, le résultat n'est pas bon parce qu'on fait 5 points en 3 matchs, c'est pas suffisant. 4 points. Ouais, 4 points et c'est pas suffisant. C'est le match le plus complet, c'est le match où Paris s'est créé le plus d'occasions sur les 3 premières journées de Ligue des Champions, mais le PSG n'avance pas. Ouais. Si on, d'ailleurs, si on verra le. David Baradel nous montrera le tableau de bord, le nombre de tirs du PSG ce soir, les XG, c'est une énorme domination à regarder. 26 tirs et 2,4 XG, hein, c'est énorme et c'est pas la première fois que ça arrive, on en parlait déjà à la mi-temps en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, et regardez la différence par rapport au PSV Eindhoven. 0,25 XG, donc ils avaient un quart d'occasion et ils ont marqué un but. Ils ont frappé 26 fois quand même les Parisiens, donc oui, c'est vrai qu'ils ont fait un bon match, mais en même temps un match de très haut niveau, j'ai envie de dire quand même, si tu frappes 26 fois Dois marquer un peu plus. Ouais, oui, et puis surtout vu le calendrier qu'attend le PSG, je pense vraiment que ce soir ils auraient vraiment dû faire la différence. Alors après on peut relancer aussi le débat de jouer sans attaquant, parce que clairement je trouve que le meilleur attaquant ce soir, c'était Achraf Hakimi. Donc c'est quand même. Ça a été le plus dangereux en tout cas. Ouais. Plus dangereux. Donc je trouve quand même qu'il manque de densité dans la surface. Exactement. De présence dans la surface. J'ai vu pas mal de fois même Dembélé, même s'il n'a pas été efficace. On a l'impression que parfois il arrivait, il était tout seul dans la surface. Il n'avait que d'autre choix que de frapper. Donc je pense qu'il y a des choses à bosser de ce côté-là du PSG. On se dit heureusement qu'ils ont battu Gérone à la dernière soirée. Ouais, grave. Parce que sinon, ils seraient avec 2 points après 3 matchs. Hein, avec Atlético Madrid et Bayern Munich à suivre. Comme et ça. City aussi au mois de janvier. Hein. Ouais. Le plus dur arrive pour Paris dans cette phase de saison régulière de Ligue des Champions. Et cette victoire contre Gérone, c'était déjà un soulagement puisque c'était sur un contre son camp à la dernière minute. Je trouve que le bilan du Paris Saint-Germain sur ces 3 premiers matchs est indigne de leur statut. Je trouve que ce match raconte les limites de cette équipe-là. C'est-à-dire qu'il faut 400 tirs pour marquer une fois. Donc oui, à un moment donné, ça ne passera pas. Et si vous êtes tributaire d'un éventuel pénalty à la 93e contre le PSV, c'est qu'il y a un problème. Peut-être y a-t-il pénalty à la dernière seconde. Mais le problème, c'est d'en être là, en fait.
Et si c'était l'histoire d'un match, c'est pas très grave. Un soir où les attaquants ne sont pas efficaces, ça peut arriver. Le problème, c'est que Ousmane Dembélé, c'est pas la première soirée de sa carrière où il rate des occasions. Barcola est sorti, j'aurais aimé qu'il entre en jeu. Lee joue un poste qui n'est pas le sien, ça fait beaucoup. Et il y a cette constante, même s'ils ont concédé très peu d'occasions, Paris quasiment tous les matchs concède un but, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, donc ça fait beaucoup quoi. Et vous avez eu le but égalisateur d'Achraf Hakimi, seul buteur ce soir du Paris Saint-Germain. Sur une erreur du gardien. Et Nuno Mendes avait marqué également sur une erreur de gardien, donc les deux seuls buteurs parisiens en Ligue des Champions sont les deux latéraux dans cette équipe. On va revenir quand même donc sur cette phase de jeu très importante dans les arrêts de jeu. Cette faute réclamée par les Parisiens, Asensio qui va être au duel avec Boscagli, pénalty sifflé. C'est vrai qu'on a eu tout de suite un doute, on était assez circonspect, on trouvait qu'il y avait faute aussi. Alors regardez, l'arbitre a considéré que Boscagli joue le ballon, touche le ballon en premier. Il y a quand même un contact avant qu'il touche le ballon. Regardez là, le genou gauche contre la jambe droite de Asensio. C'est vrai, c'est pas dans le creux du genou. C'est pas peut-être, c'est sûr. Le contact, il est. Mais j'ai l'impression pour moi avant le genou et avant le ballon, pardon. En fait, il s'est polarisé. Il s'est polarisé sur le pied de Boscagli qui touche le ballon. Et personne ne l'a vu. D'ailleurs, regardez, c'est là où sur le touche Asensio. Il n'est pas seul, Hervé. Regardez l'action. Oui, mais justement, nous, on le voit. Oui, mais la VAR, on a bien vu que le calage de l'image de la VAR était calé sur la pointe du pied de Boscagli sur le ballon. Donc, on est d'accord. Voulez lui indiquer cette information. Donc l'intention est de jouer le ballon, mais juste avant l'intention, il y a quand même la faute derrière. Donc c'est vrai que c'est presque dans la microseconde derrière. Pourquoi nous on voit le contact sur le genou et parce que nous on a envie de regarder le genou et eux ils ont regardé que le pied. Mais c'est problématique. Et le contact avec le genou est avant. Ça se joue sur tout le corps. Donc il y a faute. Oui, il y a faute. Et ce qui est dommageable, c'est que l'arbitre a pris la bonne décision sur le terrain. Et je rajouterai une chose, c'est que ce n'était pas une erreur manifeste. Le pénalty sifflé n'était pas une erreur manifeste. Aussi. Puisqu'il y avait discussion, on ne savait pas trop s'il y avait une faute. Bien sûr, il prend la position préférentielle, il est devant Boscagli. Le geste n'est pas maîtrisé, même si on peut débattre de la faute, même si nous on est tous d'accord. Mais de toute façon, la vidéo, ça vous fait plaisir, la vidéo. Moi, j'ai pas de souci, d'une manière générale. Mais moi, je pense que c'était mieux avant. Mais de toute manière, les injustices font partie du foot. Et là, on se trouve dans des situations qui sont, je me mets à la place des joueurs du Paris Saint-Germain ou de Luis Enrique quand ils vont voir les ralentis, c'est-à-dire d'une extrême injustice. C'est-à-dire qu'ils se disent, il y a un complot contre nous. C'est-à-dire que l'arbitre prend une décision, l'image en atteste, et on vous le dit à la fin, on vous retire le biscuit de la bouche. C'est insupportable. Même si on comprend le cheminement de l'arbitre, un peu, entre guillemets, manipulé par le. Oui, mais il prend la bonne décision, c'est-à-dire que ses copains dans le VAR le mettent dedans, en fait, quand même. Oui, exactement. Mais c'est souvent que ça arrive que le. Oui, bah oui. Là, on ne tient pas compte du fait. Mais là, c'est pas une question d'interprétation. Il peut regarder. Là, les images sont parlantes. L'arbitre du centre pour aller regarder. S'il a vraiment un doute et qu'il n'est pas certain, il veut se faire son propre opinion, il va, il regarde l'image. Et vous savez comment ça se passe. Ce que je veux dire, c'est que quand la VAR lui demande de venir, il a déjà en tête qu'il doit changer d'avis et on lui montre une image en le bloquant sur une image qui. Il insinue qu'il s'est trompé. Marquinhos est au micro de Margot Dumont. Il aura certainement une opinion assez proche de la nôtre sur cette action. Marquis, simplement, on parlait de cette finition à l'instant avec Achraf Hakimi. Pour vous, c'est la seule chose aujourd'hui qui a manqué ou est-ce que vous voyez encore autre chose? Je pense que la chose la plus importante qui a manqué aujourd'hui, c'est ça. On a eu le volume, on a créé des occasions, les choses qui nous ont manqué le match contre Arsenal. Et aujourd'hui, on a réussi à jouer sur le terrain, on a réussi à créer des occasions. Et ça a manqué la finition. La finition, on sait qu'en Champions League, c'est très important parce qu'on a eu des occasions avant, en début des matchs. Et on n'a pas marqué, eux, ils sont arrivés et ils ont réussi à concrétiser. Ça change totalement l'histoire de match. On doit courir derrière après et c'est plus difficile. Même si on a réussi ce match nul, les matchs à la maison, c'est important. Les trois points, on a pas réussi aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, puisque depuis le début dans cette Ligue des Champions, vous avez du mal à mettre des buts. Est-ce que pour vous, ça passe peut-être par l'arrivée d'un grand numéro 9 à Paris? Est-ce qu'il ne manque pas aujourd'hui ce numéro 9? Moi, je pense que si on prend les statistiques, on a pas mal de buts. En ce début de saison, si on compare l'année dernière, je pense qu'on a plus de buts que l'année dernière. L'année dernière, on avait un grand numéro 9. C'est normal que quand il y a un joueur comme ça qui part, les gens ils vont beaucoup se focaliser sur ça.
C'est une autre idée des joueurs aujourd'hui. Je pense que notre équipe elle a changé un peu la caractéristique de notre jeu. Mais voilà, je pense que c'est important de concrétiser. Comme j'ai dit, on a des grands joueurs qui peuvent marquer des buts, qui ont déjà montré qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui, ça a manqué juste un peu plus de tranquillité devant le but. On va le faire. C'est à travailler pendant l'entraînement, c'est à travailler dans nos têtes. Et je pense que c'est un moment décisif. Et là, dans la surface, il faut avoir cette tranquillité-là. Juste un petit mot rapidement avant de vous laisser sur votre sauvetage à la 60e minute, sur l'occasion du PSV. Il y a un partout à ce moment-là. Racontez-nous, vous, comment vous l'avez vécu sur le terrain. Moi, je pense que c'est une mentalité à moi. C'est ce qui demande à notre coach. Nous, on est là et on va jouer jusqu'à la 90 minutes, à 100 minutes s'il faut. Ça, c'est, comme je dis, c'est des petits détails qui font une différence dans le résultat d'un match, derrière et devant. Et je pense que voilà, nous, on est là pour ça. C'est ce qu'on aime faire. C'est ma passion à moi de défendre, d'aider mes coéquipiers, de défendre mon but. Et c'est des choses plus importantes. Et maintenant, je voulais vraiment que mon équipe sorte gagnante avec la victoire pour que je sois heureux, même si j'ai sauvé un beau but. Et ce match nul, il est quand même important parce que là, ça peut être une défaite. Mais c'est des choses dans un match et je pense que le contexte à la maison avec nos supporters, c'est ce qu'on a montré aujourd'hui. Je pense que je voulais vraiment la victoire pour que je puisse rentrer contre à la maison. Merci beaucoup Marquis, merci. C'est vrai que c'était un ballon 2-0, hein. Thiel qui était seul face à Donnarumma, langue sur sa gauche, il a voulu jouer à deux, il a mal joué à deux. Ce qui est intéressant, c'est dans ses propos quand il dit effectivement quand il y en a un avant-centre qui focalise toutes les attentions et qui marque tous les buts et qui s'en va. C'est vrai que ça devrait laisser la place à des Barcola, à des Dembélé pour justement pallier à cette absence-là. Quand on voit qu'on a un Kangling qui joue dans ce poste d'avant-centre, sauf que ce soir, et on l'a remarqué sur tout le match, Barcola est absent. Et sur des matchs comme ça, c'est des joueurs qui doivent justement peser sur cette attaque. Dembélé a pesé, n'a pas marqué, mais Barcola, non, on ne l'a pas vu. À part là, là on l'a vu. Oui, la seule fois où on a vu l'occasion, mais il doit peser davantage. Ses stats sur un match comme ça, ça doit être combien de frappes au but, combien de centres, combien de fautes provoquées, c'est pas suffisant. On voit ces occasions parisiennes, cette reprise de Dembélé dans les 6 mètres, hein, ouais, qu'il a mis sur la barre. Il va en avoir une deuxième en première période. Il va frapper en force. C'est plus très largement au-dessus, là voici. C'est plus celle-là où je suis un peu fâchée. Parce que je pense qu'il doit faire beaucoup mieux, au moins la cadrer. Et c'est vrai que de tirer fort comme ça, je trouve que ce n'est pas spécialement le bon choix. Mais il y a beaucoup de mauvais choix qui ont été faits ce soir dans la surface de réparation. Hein. Moi, je reste un peu déçu quand je vois ces images parce que je me dis que globalement ce match-là ils doivent le gagner 30 fois quoi. Et donc c'est super énervant. Et quand je vois l'emballement aussi qu'il y a eu à la fin, je me dis mais pourquoi ils n'ont pas eu cet emballement plutôt. Mais bien sûr, enfin je veux dire un match nul à domicile contre le PSV, c'est pas top. Ouais, mais c'est souvent comme ça alors. Ouais, je sais, mais qui joue à domicile, ils sont match nul. Sur les 5 dernières minutes, ouais, il y a cet emballement qui se crée. Je peux, sans rien spoiler, il y a un autre match où ils se sont fait bouger. Il y a d'autres équipes qui se réveillent toute une mi-temps et c'est bien mieux de se réveiller 30 minutes plutôt que 5 minutes. En fin de match, il y avait aussi Vitinha sur le terrain et je trouve que c'est mieux le Paris Saint-Germain quand même avec lui que sans lui. Mais de Fabien Ruiz. C'est sans doute un hasard, mais il se trouve que quand il était sur la pelouse, ça allait mieux aussi. Quoi. Après, il y a une réalité dans la constitution de cet effectif. Hein. Si on regarde les 10 joueurs de champ alignés ce soir, il n'y en a pas un seul dans sa carrière qui a marqué plus de 15 buts sur une saison. C'est Dembélé le seul qui a atteint les 14 buts à l'époque en 2018-2019 avec le Barça. Vous avez certes Kolo Muani qui a mis 23 buts avec Francfort, mais dans la constitution de l'effectif, vous avez très peu de joueurs qui ont des références avec un nombre de buts comme Mbappé pouvait l'avoir auparavant. Je vais m'adresser à quelqu'un qui a des références et qui a marqué beaucoup de buts dans sa carrière. C'est Sidney Govou qui est toujours en direct du parc. Sidney, deux questions en une. Est-ce que c'est toujours mieux de se créer des occasions même si on ne les met pas plutôt que pas réussir à s'en créer? Et puis lorsqu'on fait un match comme ça, est-ce qu'on sait qu'on a été maladroit, malchanceux? Comment on arbitre ce type de match où on a eu beaucoup d'occasions?
Ben, vous voir le côté positif, vous dites on s'est créé des occasions, c'est déjà pas mal. Donc c'est ce que je pense moi sincèrement. Paris a fait un bon match, s'est créé énormément d'occasions, mais derrière il y a le côté finition. Et la finition, c'est pas suffisant tout simplement pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui prêt à des grandes prétentions. On voit que ça passe en championnat, mais on voit qu'au niveau de la Coupe d'Europe, ça ne passe plus. Et tout le temps, il y aura ce débat de l'avant-centre. Moi, quand je vois Colomoni qui rentre côté gauche alors qu'Asensio continue à jouer dans l'axe, j'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, avant sa rentrée, il y avait eu un gros, gros manque pas de réussite, de technique offensive devant le but. Moi, je n'ai pas la même analyse que Sidney qui voit le verre à moitié plein sur le nombre d'occasions créées. Enfin, il y a un moment donné, c'est la moindre des choses. Enfin, là, ce soir, c'est le PSG, ils n'ont pas joué City ou Bayern Munich, ils ont joué le PSV. Merci à eux, merci que le PSG soit dominant contre le PSV. Cette équipe du Paris Saint-Germain, le PSG de Zlatan, le PSG de Mbappé du début, Mbappé-Neymar. Mais ce match-là, il y a 2-0 mi-temps et éventuellement 5 à la fin. Là, tu es tributaire d'un péno éventuellement à la fin. Et encore une fois, on l'a dit, Barcola, bon, bah, il est très bon en Ligue 1, mais ce n'est pas le même niveau. Dembélé, les reproches, on lui fait quasiment de manière hebdomadaire. Et le coach, et là je rejoins Sidney, s'évertue à faire jouer des attaquants qui n'en sont pas. Donc à un moment donné, ce dossier de Colomoini, on le voit, malheureusement pour lui, il a été bon en équipe de France. Alors Colomoini, que ce ne soit pas ni Lewandowski, ni Van Nistelrooy, ni ce que je voulais, d'accord, mais qu'il soit moins bon que ceux qui nous mettent à ce poste-là, parce que lui, c'est un bon joueur. C'est pas audible. Donc il y a un moment donné, très bien, prolongation, mais on peut le mettre en CDI aussi au Paris Saint-Germain. Mais quand est-ce qu'il va répondre sur ces questions-là, quoi ? Je pense qu'il y a un problème de scénario dans cette équipe. Et quand je parle de scénario, je parle de choix tactiques. Quand on parle de Luis Enrique, ça me fait penser à un film quand vous avez plein d'images et qu'il arrive le moment du montage. Vous pouvez faire un AV comme vous pouvez faire un film qui va gagner la Palme à Cannes avec les mêmes images. Et là, j'ai l'impression qu'on a les joueurs, mais qui ne joue pas à la place. Je repense ce que avait dit Sinegovu sur le fait de Asensio et Colomoini sur les rentrées. C'est vrai que ce poste d'attaquant de pointe est très très important à Paris. Quand on a des joueurs comme Barcola et Dembélé sur les côtés qui peuvent mettre énormément de ballons dans l'axe, le problème c'est qu'il n'y a personne dans l'axe. Et cette position axiale est très très importante dans le football moderne aussi. Il y a des questions auxquelles on n'a pas trouvé de réponse ce soir. Cette question de l'avant-centre, du faux avant-centre. Rappelons quand même qu'il manque Gonçalo Ramos, qui avait été le premier titulaire de la saison, qui lui pourrait bien occuper ce poste-là. On se demande même s'il le ferait jouer, parce que comme il semble. Le premier match de la saison, c'était lui qui était titulaire au poste de numéro 9. Colomoini, là, il y a Colomoini, il ne le fait jamais jouer. Donc ça veut dire qu'il n'a pas envie d'avoir un avant-centre de surface. Et puis parmi les questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse, il y a les finitions de Dembélé. On va encore revoir quelques actions. Et les réactions sur le banc. Mais vous n'aurez jamais de réponse, Hervé. Non. Bah, même lui, il ne les a pas. Bah, Luis Enrique non plus, manifestement, qui continue. Non, mais il ne les a pas, les réponses, Ousmane. Je pense qu'il ne les a pas parce que dans ses choix de finition, on voit très bien que c'est ses choix. Le fait de frapper fort, de ne pas contrôler le ballon, de ne pas chercher une autre solution qui serait, je pense, plus effective dans ces moments-là. Mais c'est son problème, on n'en parle pas depuis un an, ça fait longtemps qu'on parle de cette définition d'Ousmane Dembélé. Et ce garçon-là, s'il avait justement des choix différents, ben ça serait un des meilleurs joueurs du monde, ça l'est déjà, mais là franchement, c'est dommage pour le Paris Saint-Germain en fait. Le Paris Saint-Germain avec un Dembélé qui dans ses finitions arrive à trouver le fond des filets deux à trois fois, c'est sûr que ça changerait toute la donne. Ah, ce qui est vrai, c'est qu'il est aussi obligé de revenir toujours à l'intérieur, jamais, parce que quand il veut centrer, de toute façon, il n'y a pas personne. Dans l'axe. Paris recevra au Parc des Princes l'Atlético de Madrid, ce sera le 6 novembre, puis il se déplacera au Bayern. Il commence à y avoir urgence un petit peu, non ? Oui, c'est pour ça que le match de ce soir, on ne peut pas dire que c'est un bon match, quoi. Moi, j'avoue que ça sonne un peu faux par rapport à l'adversaire de la soirée et par rapport au calendrier qui arrive. Enfin, c'est le meilleur des trois matchs de Ligue des Champions de Paris. Oui, mais c'est face à une équipe un peu plus faible, quoi. Donc, du coup, il y avait surtout eu deux mauvais matchs. C'est-à-dire un très décevant contre Gérone, le Paris Saint-Germain est censé être, auquel le PSG est censé être supérieur, et un match sur lequel tu as vu tes limites contre Arsenal. Donc, bon, c'est-à-dire que quand tu as déjà eu 4 sur 20 la première fois, 8, et bon, oui, si tu as 12, ouais, tu as une meilleure note, mais c'est pas pour autant que c'est bon. Un peu ça, c'est un mauvais résultat. C'est surtout ça. Surtout à la vue du calendrier que vous évoquiez, Hervé, parce que finalement, ce début de Ligue des Champions pour Paris est plus facile que ce qui arrive. Oui, clairement, ils ont eu le calendrier le plus facile avec deux matchs à domicile dans leur corps. Là, le top 8, le top 8, c'est pas gagné quand même. Ça va être difficile.
4 points en 3 matchs. 4 points en 3 matchs, les gars. Le PSG, vraiment, qui t'en salue à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG, PSG. Et avant de commencer, ce qui me découvre à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est toi, on est parti. Alors, le PSG a été accroché par le PSG, un but partout. Et ce PSG-là, en 3 matchs, c'est 4 points pris. 4 points. Ce PSG-là est vraiment inquiétant. C'est inadmissible que tu joues à domicile contre le PSG et tu n'arrives pas à prendre les 3 points. Ça signifie qu'il y a un problème. Ce PSG, à mon avis, ça manque cruellement d'avant-centre. Il manque une personne qui va finir les occasions. Lorsque tu vois le nombre de tirs du PSG, mais c'est alarmant. Le PSG, c'est environ 26 tirs. Pour 8-4, un seul petit but. Un seul petit but. Et lorsque tu regardes les XG du PSG, c'est-à-dire les buts attendus, le PSG est à plus de 2. Ils sont à plus de 2 XG. Mais ils n'arrivent pas à marquer des buts. Ce PSG-là manque cruellement d'avant-centre. Cruellement. On peut se poser aussi la question. Sur le milieu, est-ce que Zain Emery, c'est un jeu du très très haut niveau, est-ce que Zain Emery est capable de tenir à l'état de Barcola? Est-ce que Barcola, c'est un jeu sur qui on peut compter au très très haut niveau, Bradley Barcola? Ousmane Dembélé, il a fait du Ousmane Dembélé. N'attendez pas de Ousmane Dembélé, un mec qui va marquer environ 17 buts, 20 buts, non. Dembélé, c'est Marcy 10 buts, Marcy 10, 15 buts, Mars. Donc, moi je pense que ce PSG-là manque cruellement d'efficacité. Il te faut un avant-centre. Si tu es incapable de battre le PSG, si tu es incapable de battre des équipes comme Girona, ça signifie qu'il y a sérieusement un problème. Donc, Lucien Riquet doit trouver des solutions. Lucien Riquet doit essayer de comprendre ce qui ne marche pas. Moi, je ne pense pas que, avec cet effectif-là, tu vas aller loin. Pour moi, c'est trop limité, certes. Ça joue très très bien au ballon, certes. Il y a la possession, mais ça marque très peu de buts. Face au PSG, s'il n'y avait pas l'erreur du gardien, à mon avis, le PSG gagnait. Le PSG a vraiment du boulot. Et pour moi, le véritable problème, c'est le 9. Il te faut le 9. Tu ne peux pas aller. Tu peux pas aller en LDC si tu n'as pas un grand 9. Guardiola a remporté la LDC avec Erling Haaland. Il te faut un 9. Le Real Madrid a remporté la LDC avec les Benzema, les Cristiano Ronaldo. Il te faut un grand 9. C'est très compliqué d'aller loin de remporter la LDC si tu n'as pas de 9. Donc, Lucien Riquet, il a vraiment du boulot. Hein. Il a du boulot puisque il est obligé de composer avec cette équipe-là. Partage-moi ton réflexion en commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu estimes que le match nu c'est bien payé pour le PSG ou alors tu estimes tout simplement que le PSG mérite de gagner? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao ciao.